À la une, opération escargot dans les rues de Cayenne ce matin par les gérants d'auto-école. Ils réclament encore et toujours un lieu sécurisé pour les examens de conduite. Une première proposition de la CTG aujourd'hui, l'ancien hôpital Jean Martial sous réserve d'un accord de l'État. Christiane Taubira en séance de dédicace de son murmure à la jeunesse samedi dernier. L'ex-ministre de la Justice était très attendu dans une librairie de Cayenne, près de 5 heures pour saluer ses admirateurs. Entretien à suivre. Une augmentation de 300%. Le tarif de la carte touristique tant utilisée par les Guyanais pour se rendre au Suriname passe de 22 à 90 euros. Le choix des autorités frontalières pour tenter de résorber le déficit du pays. Et puis en sport, des centaines de courageux se sont retrouvés hier matin sur une plage de Remire-Montjoly pour se livrer à un entraînement digne d'un commando, se dépenser, brûler des calories. Image à découvrir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information de ce lundi 29 février. Ils vous ont peut-être barré la route ce matin. Les gérants et moniteurs d'auto-école se sont rendus dans les rues de Cayenne, un mouvement qui fait suite à l'appel à la mobilisation nationale contre la réforme du code de la route. Chez nous, la question reste bien sûr toujours celle d'un centre d'examen en bonne et due forme promis par les autorités. Une lueur d'espoir aujourd'hui, la CTG propose de se servir de l'ancien hôpital Jean Martial pour les prochains examens de conduite. Ayodele-Germa. Une bouffée d'air frais pour les moniteurs d'auto-école. Un centre d'examen pourra possiblement être mis en place dans l'ancien hôpital Jean Martial. Il regroupe ce qu'on attend d'un centre d'examen, c'est-à-dire un minimum de sécurité, un lieu pour que nos élèves puissent patienter et des sanitaires. Puisque dans l'État, on ne demande pas grand-chose, vraisemblablement. Reçu ce matin par le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, les grévistes s'étaient montrés satisfaits de l'issue des négociations. Ils proposent des choses concrètes, donc après, ça sera bien sûr à l'administration de concrétiser ce concret, justement. Pour les moniteurs d'auto-école, les discussions entamées avec la préfecture et l'ADEAL étaient en stagnation. Ils espèrent que cette proposition de la collectivité territoriale accélère les choses. Notre mouvement a démarré quand même depuis une agression qu'il y a eu, ça fait un mois et demi. Alors il y a un mois et demi, le préfet s'était engagé à trouver une solution en une semaine. On est passé de une semaine à un mois et demi. On leur avait donné un délai qui était le 22 février. Alors, ils nous ont jeté de la poudre aux yeux. Donc, on a été conciliants. On leur a rajouté une semaine supplémentaire. À l'heure actuelle, la semaine supplémentaire est passée et rien de concret n'est acté. On a des bribes. On nous accorde, on nous saupoudre un petit peu de solutions, mais qui ne correspondent pas à nos attentes définitives. Donc, on nous a mis un vigile, on nous a mis deux bancs. Après, on nous parle d'une convention qui n'est pas encore signée, donc on ne peut plus attendre. Mais à l'heure actuelle, c'est la préfecture qui a la main, car même si la collectivité territoriale donne l'autorisation d'installer un centre d'examen dans cet ancien hôpital, c'est la préfecture qui devra autoriser les inspecteurs à faire passer les examens au départ de cet endroit. Et on va maintenant aller plus loin avec notre invitée Laura Hider, inspectrice de la sécurité routière et monitrice. Bonsoir. Alors, je suis intervenante départementale en sécurité routière. Voilà. Très bien, vous n'êtes pas inspectrice, c'est noté. C'est noté, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous avons vu donc cette proposition d'un centre d'examen par la CTG ce matin. Mm-hmm. Déjà, premièrement, est-ce que c'est le soulagement ? Alors, le soulagement, c'est un grand mot parce que nous attendons encore des écrits. Là, pour l'instant, nous avons des propositions qui sont beaucoup plus claires que ce que nous avions jusqu'à maintenant. Mais depuis un mois et demi, nous avons à chaque réunion été soulagés comme cela. Bon, là, aujourd'hui, nous avons eu un interlocuteur qui semblait être très volontaire puisque devant nous, il a fait les démarches, enfin elle, puisqu'il s'agissait de la représentante de l'ADEAL, a fait les démarches de façon à ce qu'on puisse avoir une opportunité sur des réunions et de travail, en tout cas, futur. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'il manque, c'est la validation par l'État ? Tout à fait. La validation, nous avons quand même eu, grâce à la CTG, des pistes de solutions quant à, au choix des parcours d'examen, pas de parcours, des centres d'examen possibles. Maintenant, il y va de l'ADEAL de continuer dans cette lancée et de s'engouffrer dans cette porte ouverte que leur propose la CTG. Donc c'est quelque chose à suivre de près. En tout cas, revenons maintenant sur l'objet de la grogne des auto-écoles au niveau national. C'est bien la réforme du code de la route. Les auto-écoles disent plutôt l'approuver, en tout cas ils approuvent le texte, mais refusent le délai proposé. Ce matin toutefois, l'État a proposé de repousser de 15 jours la date qui était prévue, c'est d'ailleurs le mois d'avril. Qu'est-ce que ici on en pense ? Alors écoutez, alors déjà sur ce délai, ici en tout cas, suite à cette annonce lors de notre petite manifestation de ce matin, nous sommes un peu concernés
concertée, effectivement, je vais mettre entre guillemets, c'est du bibicha. Hein, c'est-à-dire que lorsque on vous demande une prolongation, allez, au pire des cas, jusqu'au mois d'août, et qu'on vous dit finalement c'était prévu début avril, on vous donne 15 jours, excusez-moi, on ne peut pas parler d'avancée. Maintenant, cette marge que l'on demandait était essentielle pour nous permettre de nous mettre à jour. D'autant plus la Guyane, puisque nous sommes loin de la métropole, et bien entendu, si eux ont du retard, il est clair que nous, en Guyane, nous devrons attendre que les bateaux arrivent avant de pouvoir être livrés, en tout cas en ce qui concerne les outils qui nous permettront de diffuser toute la thématique prévue. Justement, pour aller plus loin sur cette question, dans le fond, la réforme prévoit une révolution numérique, entre autres, et puis notamment plusieurs milliers de questions supplémentaires. Comment est-ce que ça va se mettre en place ici, justement? Alors, ici, en ce qui concerne la révolution numérique, je pense qu'il s'agit, vous voulez me parler de tout ce qui est inscription en ligne des candidats au permis de conduire. Alors là, il y va du travail de l'ADEAL, hein, de se mettre à jour, tiens, pour une fois, d'être en conformité avec la loi. Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est surtout le travail sur les questions qui nous importaient, parce que il est clair que elles auront un impact important sur la clientèle, en tout cas de Guyane, dans la mesure où on a déjà une barrière de la langue. On a énormément de personnes qui passent le code de la route et qui n'ont pas la maîtrise de la langue française. Et j'irai même plus loin en vous disant que même nos petits bacheliers, quand j'ai vu certaines questions, je pense qu'ils auront peut-être pas du mal, mais il va falloir que l'on programme un module supplémentaire dans nos formations qui sera l'apprentissage de certains termes de la langue française. Donc quelque part, il faut beaucoup plus de temps pour la mettre en place, cette réforme. Bien entendu. Écoutez, la loi Macron était prévue de façon à faciliter le passage du permis de conduire. Aujourd'hui, on se rend compte que le code, eh bien, il prendra plus de temps car les élèves vont vouloir se présenter peut-être en candidat libre, je l'espère que non, mais peut-être. Et dans ce cas, le risque d'échec sera plus important. Du coup, ça va, leur formation risque de s'allonger. Et le but prévu par cette loi Macron, eh bien, sera pas atteint, tout simplement. Un dernier point, justement, sur cette nouvelle réforme, on évoque un changement au niveau des délais. On va passer à 45 jours au lieu de 6 mois pour certains. On a bien conscience que ça, c'est la réalité de l'Hexagone. Pardon. Alors, 45 jours, c'est une utopie. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est ce que nous propose l'État sur ses papiers. Maintenant, attendons de voir si effectivement nous passerons à 45 jours, sachant que le taux de réussite va baisser. On aura peut-être ces 45 jours, mais toujours les mêmes personnes qui viendront se présenter en examen. Donc ça, je pense que c'est un faux problème. C'est peut-être une avancée, mais en même temps... je ne suis pas sûre que ça portera chance aux candidats, en tout cas, parce que nous, les auto-écoles, nous portons une voix pour l'ensemble de la clientèle, mais en réalité, nous, c'est tout bénef hein, de pouvoir donner des leçons, sauf qu'on a bien conscience que l'objectif, quand une personne se présente chez nous, c'est avant tout pour avoir son permis de conduire et pas pour rester séjourner des mois chez nous. Merci pour toutes ces précisions, Laura Hyder, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, la ministre de la Santé a achevé sa tournée dans les départements touchés par le Zika. En Guyane, hier soir, une dernière escale de 24 heures dans le département. En plusieurs étapes, elle a d'abord rencontré le président de la CTG. La suite de son voyage a été largement consacrée à la lutte contre l'épidémie et à la situation des hôpitaux de Saint-Laurent et de Cayenne. Ayodele Germa. Depuis le 1er janvier, 1030 cas de Zika ont été recensés en Guyane. 11 cas confirmés chez les femmes enceintes et une suspicion de microcéphalie. La ministre de la Santé a consacré sa visite à cette épidémie. L'épidémie est sérieuse. Je ne sais pas à quel rythme elle va progresser, ni comment elle va progresser, mais d'ores et déjà, des moyens supplémentaires ont été apportés. Des moyens matériels, avec aussi bien à Saint-Laurent-du-Maroni qu'ici à Cayenne dans les hôpitaux, des respirateurs qui ont été fournis pour renforcer les services de réanimation. Si l'épidémie devait progresser et se poursuivre, et si des moyens supplémentaires apparaissaient, eh bien, nous apporterions ces renforts de la même façon que nous l'avons déjà fait dans d'autres pays, dans d'autres départements ou ici même en Guyane. Elle a inauguré samedi à l'Institut Pasteur un laboratoire de haute sécurité biologique. Ce laboratoire sera construit
consacré à la recherche des maladies transmises par les moustiques. Outre l'épidémie du Zika, il était également question de la situation financière du char. 35 millions d'euros, c'est le montant de la dette du centre hospitalier André Rosemont. En réponse, la ministre promet une aide de 4 millions d'euros. Pour les syndicats, cette somme est insuffisante. Les 4 millions, bon, ils arrivent comme ça, donc c'est un don. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, d'après les sources même du directeur, après il ne pourra pas dire qu'on défend ses propos, il y a 25 millions d'impayés pour les créanciers et environ 10 millions de déficits de l'hôpital structurel. On est déjà à 35 millions. Donc pour faire tout ça, entre autres création de 109 lits, voilà, il faut des moyens. Donc l'idée c'est, bon, peut-être, on l'a vu, presque 30 millions pour payer les dettes et peut-être 50 millions pour reconstruire et réhabiliter et construire aussi, voilà, de nouvelles structures. Marisol Touraine s'est également rendue au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais avec plusieurs promesses, un nouveau service de chimiothérapie au second semestre 2016 et 44 lits supplémentaires pour le service natalité. Du matériel, du personnel aussi, de sages-femmes prévues pour effectivement Saint-Laurent-du-Maroni pour permettre aussi que le personnel en place continue à faire son travail habituel, mais que ces deux sages-femmes puissent être en appui pour pouvoir justement augmenter le nombre d'échographies vis-à-vis des femmes enceintes. Un nouvel établissement de 216 lits et de 23 places est prévu pour fin 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni. En marge de la visite de la ministre, des associations de défense des droits des peuples amérindiens ont souhaité se faire entendre. Ils se sont rassemblés à l'Institut Pasteur samedi après-midi pour réaffirmer notamment leur opposition au dépôt de brevets par des chercheurs de l'IRD sur le Kouachi. Les précisions du coordinateur général de la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Le droit à l'éducation, droit à la terre et au territoire. Droit à la santé, parce que faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des postes de santé qui sont complètement délabrés, et je pense d'ailleurs à Capitaine Mélanie à Caillaudé, qui n'ont pas accès aux soins. Il y a les femmes enceintes qui viennent en Guyane et qui sont dans des conditions qui n'est pas acceptable. Concernant la ponte Kouachi, donc notamment la molécule simali-malactone, E, nous, ce que nous demandons, c'est que ce brevet soit retiré. C'est une dépossession de nos savoirs ancestraux. Ce que nous voulons aussi, c'est qu'il y ait une indemnisation. D'accord ? Qu'il y ait une indemnisation et, dans l'intérêt des peuples autochtones et locales. Donc, pourquoi pas créer, par exemple, un fonds fiduciaire qui pourrait nous servir à nous. Il s'agit peut-être là aussi d'une visite éclair. L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, de retour au pays, elle a tenu une séance de dédicace de son essai Murmure à la jeunesse dans une librairie cayennaise. Près de 5 heures de rencontre avec des admirateurs venus très nombreux et un record de vente. Ayodele Germa. Une petite pique rapide à l'endroit des journalistes. Donc vous ne pouvez pas me sortir tous ces journalistes-là. L'ex-ministre de la Justice ne souhaite pas faire attendre ses lecteurs. Ils étaient plus de 200 à faire le pied de grue dans les allées de cette librairie. C'est un auteur qui m'intéresse. Hein. En plus, la personnalité de Christiane Taubira qui est très intéressante. Hein. Et ce qu'elle a fait dernièrement, vraiment je la félicite parce qu'il faut énormément de courage et de conviction. Une attente de près d'une heure pour avoir un moment de tête-à-tête avec Christiane Taubira. La jeunesse à qui elle dédie cet ouvrage semble conquise. J'ai été surprise déjà de la voir comme ça, parce que je croyais que c'était une personne qui était sérieuse alors qu'elle est très ouverte. C'est l'actualité du moment surtout, quand elle a quitté le gouvernement. J'ai voulu lire ce livre. J'ai eu le temps de lire les premières pages dans la file, ensuite elle l'a mangé. Pourquoi la jeunesse? Parce que j'estime que ma génération a des comptes à rendre et que l'essentiel que nous puissions faire, c'est d'expliquer le monde aux jeunes, de les aider à le comprendre pour être actifs, pour être sujet de droit, c'est-à-dire pour être les acteurs même de leur avenir. Donc voilà pourquoi ma première préoccupation va à la jeunesse, mais je sais bien que je ne parle pas qu'à la jeunesse. Attentat, lutte antiterroriste, état d'urgence, comment dans ce contexte préserver les valeurs de la République? La déchéance de nationalité est-elle la meilleure solution? Dans cet essai, l'ex-garde des Sceaux s'interroge. Un sujet extrêmement lourd, sur lequel il aurait été facile de faire le dos rond, de laisser passer, de céder une petite lâcheté, tout simplement.
une petite lâcheté que j'aurais pu justifier parce que j'avais engagé de très belles choses dans le ministère de la Justice. Il y a des tas de choses qui aboutissaient. J'avais encore la réforme de la justice des mineurs à faire. Donc voilà, j'aurais pu tranquillement céder à la lâcheté qui consistait à me dire « c'est pas grave, on peut laisser passer ». Donc moi, j'ai voulu clarifier ça dans ma tête. Une fois que c'était clair dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait le partager. Dans cette librairie, 225 exemplaires de Murmures à la jeunesse ont été vendus en une matinée. Chacun est reparti avec un petit mot de Christiane Taubira. L'annonce a fait l'effet d'une bombe pour les aficionados de séjour au Suriname. Le prix de la carte touristique passe de 22 euros à 90 dès demain. Une solution trouvée par le gouvernement frontalier pour tenter de réduire son déficit qui ne cesse de se creuser. Mais un changement vécu comme un coup bas pour les Guyanais. Mia Pierre. Pas une minute de repos pour les employés du consulat surinamais ce matin. À l'intérieur comme à l'extérieur, des gens attendent. Tous veulent impérativement faire leur carte touristique ce jour, car dès demain matin, les voyageurs ne paieront plus 20 euros la carte touristique pour se rendre au Suriname, mais ils devront débourser 90 euros. Pour le moment, ça va rester comme ça. Il y a beaucoup de critiques depuis l'annonce de cette nouvelle. Le Suriname est en train de regarder en ce moment pour les diasporas qui se trouvent ici en Guyane et aux Pays-Bas. On essaie de voir comment faire évoluer la situation. Effectivement, il y a beaucoup de critiques. Les gens ont des craintes, ce qui est tout à fait normal. Mais ce sont les ordres que nous avons reçus du ministère des Affaires étrangères. Donc si les gens ne veulent plus aller au Suriname, c'est tout à fait normal. Le Suriname va réétudier la question pour les diasporas et nos pays voisins, afin de trouver une meilleure solution. Cette nouvelle, c'est une douche froide pour beaucoup. Si certains faisaient 3, 4, voire 5 voyages dans l'année, désormais, ils limiteront leurs déplacements au Suriname. Bon, 90 euros, excusez-moi, hein, je peux comprendre hein, qu'il y ait une augmentation, mais à 450% par rapport au prix de base, je trouve que c'est un petit peu fort. Donc moi, c'est la dernière fois que j'irai au Suriname. C'est pas possible que ce soit augmenté de plus de 300%, il faut arrêter. Vous avez des mères de famille qui, pendant les vacances scolaires, vont à Paramaribo. Une mère de famille qui a 4 enfants, plus elle-même, quand elle prendra le visa, ce sera 450 euros. Ce n'est pas normal, les Guyanais ne sont pas les vaches à lait des autres pays. C'est que nous devrions d'abord faire la loi chez nous, organiser du tourisme chez nous, nous pourrons prendre la parole. Parce qu'en fait, si tout ça se passe, c'est parce que nous sommes des rien du tout, on n'a rien. Nous avons des élus, c'est à la meilleure, c'est à la meilleure. Et moi, je n'ai pas à m'en prendre aux gens. C'est leur république, ils font ce qu'ils veulent, ils ont raison. Je n'ai pas à contredire leurs décisions gouvernementales. La vie, elle est très chère. Et d'une part, bon, ça sera une grosse perte pour le Suriname. Tout en sachant que les gens ne pourront plus se rendre au Suriname toutes les semaines. La Guyane n'est pas la seule collectivité concernée. Les 22 ambassades et consulats ont reçu des instructions uniformes. À noter que les tarifs des visas restent inchangés. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons la compétition de gestion qui s'est tenue entre étudiants sur le campus de Troubiran vendredi dernier. Et puis, nous verrons l'entraînement commando qui s'est déroulé sur une plage de Montjoly hier matin, immersion dans les rangs du bootcamp dans quelques instants. Arrêtons-nous d'abord sur ces chiffres. À compter de demain, les automobilistes paieront le sans-plomb 7 centimes moins cher qu'en février, soit 1,40 € le litre, et le gazole 2 centimes plus cher, soit 1,16 € au lieu de 1,14 €. À noter également que la bouteille de gaz coûtera 47 centimes de plus, elle passe à 19,65 €. Qui sera le meilleur entrepreneur? C'est pour ce titre en tout cas qu'une soixantaine d'étudiants en école de commerce, d'IUT et de BTS se sont affrontés vendredi matin. Une matinée pour mettre en pratique tous ces cours jusqu'ici restés théoriques. Xavier-Paul Le Pelletier. 4 ans d'exercice entrepreneurial en une seule journée, voilà la cadence du tournoi de gestion 2016. Objectif, cumuler le plus de bénéfices en développant des confitures bio. L'entreprise, structure de base, elle vous apporte un capital de 1 million d'euros, ce qui est bien pour une PME. Et ce million d'euros a tout été utilisé à acheter des machines, 10. Et comme chaque machine coûte 100 000 euros, on a tout dépensé dans les machines. Mais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en banque, c'est pas grave parce que toutes les machines sont déjà payées. Pour départager les équipes, pas d'entretien d'affaires, juste des chiffres à rentrer dans un logiciel et le tour est joué. 3,
parler. 54, 58. Je rentre dans le logiciel les décisions de chaque équipe, et chaque équipe, après, l'ordinateur les compare en fonction des paramètres qui sont rentrés, et ils font que celui-là, il vend 10 000, l'autre, il vend 12 000 seulement, l'autre, etc. Voilà. Ces éléments, et qui sont relativement objectifs, parce que là, ce sont des équations qui les comparent. Hein. Avec des étudiants venus de différents établissements, la concurrence est féroce. De quoi concrétiser l'acquisition de compétences. L'intérêt pour nous, c'est déjà d'être plongé dans les conditions de l'entreprise, donc dans la gestion d'entreprise. Et l'intérêt aussi pour nous, c'est d'acquérir de l'expérience sous le thème d'un jeu d'entreprise, donc avec des concurrents. Et justement, ça nous rapporte justement la réflexion, la gestion, le travail d'équipe. Vous avez quand même les BTS MUC de Kourou, du lycée Licastor. Vous avez la formation DCG du CFA de la CCI. Vous avez deux équipes du département technique de commercialisation de l'IUT de Kourou. Vous avez le GC, l'école de gestion et de commerce de Guyane. Vous avez les BTS CGO du lycée Félix Éboué et les formations de licence de l'université de Guyane. Donc derrière cela, l'intérêt est vraiment que ces jeunes puissent se mettre dans des situations et des postures de chef d'entreprise, de façon justement à ce que, à la fin du concours, soit désignée l'entreprise qui a mis en place la meilleure stratégie, donc c'est-à-dire l'entreprise qui est la plus rentable. Finalement, c'est l'EGC qui rafle les deux premières places devant l'IUT de Kourou. On part en Guadeloupe maintenant avec une question de santé. Les géants de la restauration sont de plus en plus nombreux à s'installer dans l'archipel. Quick à Bas-du-Fort, au Gosier, Burger King dans le nouveau centre de Jarry. La population est-elle adepte de la malbouffe? Et surtout, quelles conséquences pour la santé? Reportage, Guillaume Marc. À midi, lorsque sonne la pause déjeuner, beaucoup d'enfants préfèrent à la cantine ce petit camion installé juste en face de l'établissement. Ici, on vend des sandwichs, des friandises, des menus pas très diététiques. Je ne veux pas manger à la cantine. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Voilà, il a dit c'est dégueulasse et je ne veux pas. C'est plus bon ici. Tu viens combien de fois? Dès que je peux. Tout le temps. Un peu plus loin, à l'arrière de cette voiture, encore des bonbons. Des petits ice pop, ça s'appelle en anglais ice pop, d'accord? Et des glaces très sucré, que les enfants adorent. Ça rafraîchit comme on est en période de chaleur. Quand on a chaud, on en prend. Les Guadeloupéens aiment le fast-food dès leur plus jeune âge. Et ça, les grandes enseignes de la restauration rapide l'ont bien compris. McDonald's, Quick, KFC, tous sont implantés sur l'archipel et se livrent une concurrence acharnée à grand renfort de publicité. Ces 12 derniers mois, ce sont même trois nouveaux restaurants qui ont ouvert, dont ce Burger King à Jarry. Là, c'est la première fenêtre, c'est la prise de commande, directement. Qui fait le plein tous les midis. La queue, je pense, midi, elle est plutôt correcte, on va dire. On a la possibilité, la chance de pouvoir stocker plusieurs voitures et pouvoir avoir un flux assez important sur la période du midi. À l'intérieur aussi, le restaurant est pris d'assaut. Salade. Mais la salade, s'il vous plaît. Chaque jour, il enregistre en moyenne 1200 commandes. Alors, on sort en moyenne 2100 burgers par jour. Sur les grosses journées comme le samedi, on peut monter jusqu'à 3000 burgers. C'est beaucoup ? C'est juste énorme. Des chiffres impressionnants qui font de la Guadeloupe une terre promise pour la restauration rapide. Dans l'archipel, une personne sur deux est en situation de surpoids, une sur cinq en situation d'obésité. L'obésité, une maladie que l'on combat au centre médico-social de Basse-Terre, et dont les mauvaises habitudes alimentaires ne sont pas les seuls responsables. On mange mal partout et après la prédisposition génétique va faire que ce sera visible au niveau de l'obésité, plus dans certaines régions de la planète que dans d'autres. Aux Antilles, par exemple, on grossit plus facilement qu'en métropole. Il faut donc redoubler d'attention. Et après de tels menus, un peu de sport avec ce concept qui séduit déjà aux Antilles et qui arrive chez nous. Ils étaient 300 prêts à tout à affronter hier matin sur la plage, sur une plage de Rémière-Montjoly, l'opération Bootcamp. Le principe est simple, se retrouver pour brûler des calories, dépasser ses limites dans un entraînement sportif quasi militaire et ce durant plusieurs heures. Le succès est en tout cas déjà au rendez-vous. Voici un aperçu de cette première édition avec Jonathan Lariot. Ne vous y trompez pas, être sur la plage auprès de beaux cocotiers n'est pas toujours synonyme de vacances. En tout cas,
Ce n'est pas le cas pour les participants de la Bootcamp Academy. Hé, hey, je vous vois sourire là, normalement ça doit tirer là, allez! Oh! Ça tire pas là! 10 secondes! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Et ça tire, des abdos en passant par les bumpy pour arriver au gainage. Pendant toute la journée, les séries d'exercices se sont enchaînées dans un rythme effréné. Allez, 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 allez! Il vous reste 5 secondes d'effort, on y va! Allez, allez! Récupération, 10 secondes! C'est super, mais très fatigant. C'est dur, c'est très difficile, c'est super dur, mais on s'éclate. Si tu fais pas bien, tu fais des pompes. Si tu obéis pas, tu fais des pompes. Je suis crevée, j'en veux vraiment plus. C'est trop dur? C'est trop dur, franchement, j'ai pas le niveau. Je reconnais ne pas avoir le niveau, je suis crevée. Le bootcamp est basé sur le principe de fitness en plein air, à Lyon. Effort physique à une rigueur bien militaire. Le but du bootcamp, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher au-delà de ses capacités, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, ça rapporte. Ça n'a que beaucoup de bénéfices, en fait. Aujourd'hui, on a travaillé le cardio, on a fait du renforcement musculaire, on a travaillé les abdos, on a varié, en fait, les différentes parties du corps de façon à ce qu'il y ait un travail complet. En Guyane, c'est une première, et malgré le dimanche, les gens sont au rendez-vous. C'était vraiment la bonne période pour lancer le truc, pour redonner une dynamique aux gens, pour qu'ils se lèvent le dimanche et puis qu'ils viennent se bouger un peu avec nous. On a eu une partie échauffement qui a duré une vingtaine de minutes où on fait monter la température au fur et à mesure en musique. Et puis par la suite, là, ils sont en train d'exécuter les 5 ateliers avec les différents coachs et le Marshall supervise le tout. En fait, c'est surtout le fait de faire du sport, mais de façon ludique. Et puis là, vous voyez bien, il y a un gros groupe, donc il y a de l'ambiance. Ça permet à tout le monde vraiment de participer à son rythme. Il y a des gens qui ont lâché le sport depuis longtemps, des femmes qui viennent d'accoucher ou autre, et c'est vraiment accessible à tous. Une première phase de test pour la Bootcamp Academy, et ils ne s'arrêteront pas là. Plusieurs autres rassemblements sont prévus durant l'année. Ainsi s'achève votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.